Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, madame. Qu'est-ce que c'est que la crêpe Gigi? Eh bien, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de rose tiède. C'est délicieux. Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, 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 je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus? Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là? On croit rêver! C'est vrai, on s'est dit qu'il se croit celui à la tête de Hocon. Bon, alors qu'on ne voit plus ici, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben c'est encore une crêpe au sucre. Ma pépette, va, mais qu'est-ce qu'elle me dit, la pépette? C'était quoi ton urgence? Rien de grave, une luxation. Hein? C'était qui? Une Suédoise. La pauvre. Sympa? Très sympa. Vraiment une superbe fille, tu vois, bien roulée, excitante, bien intelligente en plus. Je l'ai vue 2 minutes, mais j'ai senti qu'il y a quelque chose qui passait. Eh ben écoute, tant mieux pour toi si tu as passé un bon moment, hein? Moi, j'ai travaillé toute la matinée et je suis crevée. Enfin, si ça t'intéresse, bien sûr. Écoute, ma chérie, le prends pas mal. Ne me touche pas. Je ne le prends pas mal, mais tu as énormément de chance de rencontrer des gens formidables dans ton boulot. Moi, je me fais chier à servir ces têtes de cons qui me demandent des crêpes au sucre toute la journée. Excuse-moi, ma chérie.